Hey, salut les gens! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, hein. J'ai mes notes parce que j'ai pas trop le temps, là je suis en train de me préparer pour partir sur l'hivernal des Templiers, et avant qu'on commence ce petit vrac pack, eh ben, je voudrais vous remercier parce que ça y est, vous êtes plus de 7000 à vous être abonné à la chaîne, et ça me fait vraiment plaisir. Mais peut-être que toi là qui regardes cette vidéo tout de suite maintenant, t'es pas encore abonné, alors écoute, je te laisse le faire de suite, hein, t'as le bouton rouge juste en dessous, ça serait super cool parce que bah, plus il y a de monde, plus ça permet de continuer à faire des choses, donc voilà, allez, on perd pas de temps, on y va. Donc, l'hivernal des Templiers, c'est ce dimanche 1er décembre. Là, on est le vendredi 29 novembre. Et je suis un petit peu speed parce que bah, faut que je prépare tout ça, que je range tout ça bien dans mes sacs, que j'arrive à monter cette vidéo. Tout ça avant de partir très tôt demain matin parce que j'ai quand même 7-8 heures de route. Et bien sûr, pour faire des économies, j'ai décidé de ne pas prendre l'autoroute. Hein, sans ça, ça serait pas drôle. Donc, déjà, je te propose quand même, même si ça l'arrache, histoire que ce soit plus sympa, de te mettre une petite musique d'ambiance. Allez! Voilà, on peut y aller. Donc, l'hivernal des Templiers, ça se passe dans le Larzac, à Roquefort, donc Roquefort sur Soulzon, c'est là où on fait le fromage qui s'appelle Roquefort, hein, tu sais, ce truc avec de la moisissure dedans qui est vachement bon. Bref, donc, cet événement, il y a plusieurs courses, moi je vais faire la plus grande qui s'appelle l'Astragale et qui fait 64 km pour environ 2140 mètres de dénivelé positif. Alors si je me trompe pas, c'est d'ailleurs la seule course en ligne de l'événement, ça part de la Couvertoirade, qui est un bled qui est une ancienne cité templière je crois d'après ce que j'ai lu, enfin si je me rappelle bien, et donc ça revient à Roquefort. Le départ c'est de bonne heure à 6h45, donc c'est bien, va falloir se lever tôt pour prendre les navettes et tout, moi ça me dérange pas, de toute façon je suis du matin. Pendant la course on aura 3 barrières horaires qui correspondent aux 3 gros ravitaux. Et puis on aura aussi un point d'eau au 8e kilomètre. Alors tiens, si tu veux voir en bas de l'écran, je te mets l'équivalent de ça, c'est le profil du parcours, hein, t'as les distances entre les points et tout. Moi je l'ai en noir et blanc parce que mon imprimante ne sait plus imprimer en couleur, mais déjà elle fonctionne, c'est pas mal quoi. Mais je te le mets en couleur et je vais pas en parler plus que ça parce que sinon ça va être long. Bref, voyons voir un petit peu donc le matériel parce que c'est une vidéo vrac pack, hein, donc on va causer du matériel. Alors déjà, qu'en est-il du matériel obligatoire? On nous demande un téléphone, ça c'est bon. On nous demande d'avoir son dossard, ça me paraît logique. On nous demande une couverture de survie. Couverture de survie que j'ai normalement quelque part par là, ici. Voilà, toujours le même sachet que d'habitude, avec la couverture de survie. Et j'ai aussi la bande en cas d'entorse, qui n'est pas obligatoire cette fois, mais je me dis que ça peut servir. Hein. Du coup, ça ne prend pas de place dans le sac, je la garde. On nous demande d'avoir de l'eau. De l'eau à raison, obligatoirement, de 750 ml. Moi je trouve que ça fait pas beaucoup. Hein. Si tu reprends le petit plan, enfin le profil que je t'ai mis, que je te réaffiche tout de suite, tu vois qu'à un moment, on a 17 km et 800 D+, entre deux points, et ensuite 15 km et aussi 800 D+, entre deux points. Alors il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup boire, moi j'ai besoin de beaucoup boire, et du coup je vais prendre peut-être même un peu trop, et je t'en reparle juste après. Il faut une lampe frontale, parce que le départ se fait de bonne heure le matin. Il impose un coupe-vent imperméable, mais attention, pas n'importe lequel, avec des manches longues et de taille adulte. Oui, oui, de taille adulte. Donc en gros, si t'es un nain et que t'es obligé de taper dans les tailles enfants pour pouvoir t'habiller, t'es niqué, t'as pas le droit de participer à la course. Ou alors tu prends un truc et ça te fait un poncho. Là, va falloir m'expliquer un petit peu, quoi. Enfin bon, en gros, ils mettent ça pour pas qu'il y ait des gens pour gagner un peu de poids et de place, qui partent avec un truc rikiki de gosse, histoire de dire qu'ils ont le matos obligatoire, mais qu'ils ne puissent pas s'en servir au cas où. Toujours pour s'habiller, en bas, ils demandent un collant long ou un corsaire plus des chaussettes. Tu verras que c'est pas vraiment ce que j'ai pris, mais ça s'en rapproche, ça ira bien. Et enfin, casquette ou bonnet ou bœuf plus des gants pour se protéger du froid. D'ailleurs, quand on parle de froid, parlons de la météo, parce que c'est une course qui s'appelle l'hivernale, et j'ai comme l'impression que ça va pas être spécialement... l'hiver, hein. Il nous annonce donc le matin sur le lieu de départ, j'ai vu du 5 degrés ressenti 3 avec un petit peu de pluie mais pas trop, a priori ça va être des petites averses faibles. Ce qui est sûr c'est qu'avec tout ce qu'il est tombé cette semaine, le terrain va être gras. Et ensuite dans l'après-midi, eh bien toujours au niveau du lieu de départ, 8 degrés ressenti 10. Et je crois que quand j'avais regardé un peu plus loin sur le parcours, c'était 10 degrés ressenti 13. Il y a des rafales de vent jusqu'à 20 km/h, donc c'est pas grand chose. Et surtout il va pas faire spécialement froid, et ils annoncent quand même pas beaucoup de pluie, donc on devrait être pas si mal, hein. Voilà, donc pour une course comme je le dis qui s'appelle l'hivernale, je pense que ça va pas être très hivernal mais plus automnal, hein. Puis tu me diras, de toute façon on n'est pas encore en hiver, faut que j'arrête de raconter de la merde, hein. Putain la fatigue c'est pas bon, faut que je dorme. Ensuite dans le règlement, il est marqué qu'il y a du matériel obligatoire supplémentaire qui pourrait être imposé avant le départ de la course en fonction des conditions météo. Là il y a un truc qui me pose problème, c'est bien de dire on est susceptible de rajouter du matériel obligatoire. Mais encore faudrait-il savoir ce que c'est, ce matériel obligatoire. Parce que là, c'est bien mignon, mais s'ils annoncent ça, je sais pas, la veille ou l'avant-veille, alors qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés parce qu'ils se sont pris quelques jours pour visiter la région, ils ont peut-être pas débarqué avec toute leur maison. Hein. Donc si tu sais pas ce que tu risques d'avoir à prendre en plus, c'est un petit peu compliqué.
Là, il faudrait prendre exemple, par exemple, sur l'UTMB. On se rappelle quand j'ai fait le vrac pack de la MCC, qu'il y avait des packs, packs canicule et packs grand froid, je crois. Donc, qui permettaient de savoir un petit peu ce qu'on était susceptible de nous demander avant le départ. Voilà, c'est tout con, mais ça éviterait de prendre sa maison ou de prendre du matos qui serait pas adapté et de se faire baiser avant le départ. Bon, allez, assez blablaté de la course, hein, il est temps de passer au matos. Et là, t'es en train de te dire que le bordel derrière moi a complètement changé de position, peut-être que moi-même je ne suis plus à la même place, peut-être aussi que tu vois l'éclairage sur ma gueule qui est différent. Et bah c'est normal, parce qu'en fait j'avais déjà tout fait et mon éclairage était coupé, bref c'était dégueulasse. Donc hop, retour en arrière, je recommence, mais je vais pas tout remettre tout carré comme c'était avant dans la vidéo. Bref, donc pour s'étirer dans les Templiers, j'aurai ici des manchettes, voilà, donc ça me permettra de compléter mon t-shirt au cas où j'ai froid, hein, de moduler dans la journée. Tu vois les manchettes, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Enfin, t'as compris quoi. Très important, le sac. Donc, c'est un sac jaune moche, hein, comme tu peux le voir. Oui, ça vient de chez Salomon. Édition spéciale manifestation 2018-2019. Je ne comprends pas ce truc jaune avec des bandes fluo. Enfin, bon, bref, je le trouve pas beau. Peut-être que je le trouve joli. Hein, tu me diras dans les commentaires. Donc, ce sac pas très très joli en jaune, c'est le ADV Skin 12-7, qui est un sac que j'ai essayé juste vite fait, parce que je l'ai reçu genre hier ou avant-hier. Je l'ai essayé vraiment vite fait là sur 12 bornes, et je dois dire que la première impression elle est bonne, vraiment bonne. Alors 12 litres c'est carrément trop grand pour cette course de 64 bornes, mais au moins j'aurai de la place pour tout mon bordel. Bref, donc grand compartiment à l'arrière, avec dedans des petits clips, il y a des cordons comme ça partout, principalement en haut, en bas, à l'intérieur. C'est beaucoup pour accrocher les bâtons je pense, mais limite ils auraient dû mettre un mode d'emploi avec. Il y a des poches ici, là c'était fourni avec un truc isotherme pour la poche à eau, mais il faut des poches à eau de chez eux, donc c'est très fin, malgré que ça soit toujours de chez Hydrapack comme chez tout le monde, mais c'est pas les mêmes modèles. Même chose pour les flasques, ils enfilent deux de 500 ml, qui sont très longues, avec des ouvertures pas très larges, que je trouve pas du tout pratiques pour mettre de la poudre dedans pour ceux qui veulent. Autrement, ce sac, il me paraît stable, il y a plein de poches, là t'as la poche flasque, une grande poche ici, encore une là, avec un truc traversant, bon, qui est pas accessible du tout quand c'est sur le dos, mais c'est pas grave. Poche zippée devant, ça me paraît vraiment pas mal. Et après, bah, point de vue hydratation, je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des sections type 17 km 800 D+, 100 points d'eau. Et bah là, j'aurai 2 x 500 devant. Et comme j'ai envie de tester à fond ce sac, et bah, je vais mettre une poche à eau qui va faire 2 litres, que je vais pas forcément remplir complètement, mais je suis obligé de mettre une 2 litres pour qu'en fait le truc du tuyau il arrive en bas ici. Je sais pas si on voit bien sur l'image le truc bleu. En fait, la sortie du tuyau elle n'est pas en haut comme sur la plupart des sacs, mais en bas. Et en fait, je trouve ça vachement bien parce que du coup, le tuyau il va courir ici, il y a un trou là entre les deux poches. Et il vient se raccrocher là, et je pense que ça peut rester bien en place et tout, donc c'est pas mal. Voilà, première impression très bonne, à tester dimanche. Pour me tenir un petit peu compagnie, si j'ai besoin à des moments, un petit peu de musique avec le casque Aeropex de chez Aftershox, hein, je te le présente plus, c'est un classique maintenant, qui est très bien, j'adore. Si il pleut le matin au départ, et surtout s'il fait un petit peu frais, j'aurai ce pantalon imperméable, qui est le pantalon imperméable Kalenji, t'as le test sur le blog, moi ça fait au moins un an que je l'utilise, je le trouve vraiment bien pour son prix, pour 40 balles, j'en ai pas testé d'autres, mais franchement, je te le conseille. Bon, je pense avoir quelques trous là dans la poche, parce qu'il peut se replier dans sa poche, mais c'est bien, c'est compact, c'est léger, très pratique. Des petits sachets zip, ça je vais en avoir plusieurs, tu sais que je suis adepte de ces trucs-là. Sur le sac, il n'y a pas de poche étanche pour le téléphone, par exemple, donc s'il pleut, ça va être un peu relou, donc je prends des sachets zip pour mon téléphone et pour mes autres équipements. Là-dedans, encore un sachet, j'ai toute ma bouffe. Je sais pas encore ce que je vais emmener, en quelle quantité. C'est un sachet qui a été posé où j'avais des choses dedans. Bon, j'ai pris ça. Donc j'ai des Origin Bar, la Chewover Steam, ça c'est des barres salées. J'ai des Authentic Bar. Donc en fait, bon, tout ce que j'ai là, en fait, c'est des trucs qui me restent de Chewover Steam. Authentic Bar chocolat, cacahuète, donc là c'est gros, c'est fat, c'est bon. Des petites UTMB Bar chocolat, ça se mange facilement et je trouve que c'est efficace. Gel au miel, ça je suis pas convaincu de le prendre, mais pourquoi pas. Et gel caféine, ça j'aime... On va y arriver. J'aime bien en prendre un depuis l'ultramarin. Je trouve que ça remet un bon coup de boost en cas de quand t'es vraiment dans le mal. Enfin, vraiment dans le mal au point de vue fatigue. Et ici, bah, j'ai les petits sachets de boissons électrolytes. J'aime bien. Petit goût citron pas trop prononcé, pas trop sucré. Tu mets ça dans ton eau, ça amène les sels minéraux. Point barre. Manchon de compression. J'ai toujours les Tuan, je crois que c'est les Sport Up ou un truc comme ça. Donc les Tuan, ils sont bien, ils sont costauds. Par contre, ils descendent toujours pas jusqu'en bas de mes chevilles. Donc ça me fait un petit peu des trucs taille enfant, mais je les aime bien quand même. Voilà, c'est solide, j'aime. Lampe frontale, c'est obligatoire et ça sera utile pour le départ. Je repars avec la Stutz Kiska 2. Ça, je viens de sortir le test sur le blog. Accompagné de sa petite copine,
l'amnistie, qui est vraiment microscopique et qui est parfaite comme langue de secours. Bon, autant me dire que là, sur l'hivernal, il y a très très peu de chances que ça serve. Mais comme c'est dans la pochette et que je pense que je vais simplement mettre la pochette dans le sac, et bah du coup, j'aurai les deux. Caméra. La caméra, hein, indispensable pour pouvoir te ramener une belle vidéo quelques jours après la course. Toujours la même, la DJI Osmo Action, dans sa cage Small Rig, avec la poignée supérieure que j'ai testée la dernière fois que j'ai fait un wrap pack, donc pour la MCC, et que j'ai trouvé pas mal du tout. Ça permet quand même de faire des vues sympas, mais cette fois-ci, je rajoute en plus cette petite poignée qui est le shorty de chez GoPro. Donc ça fait une perche là qui se déplie et ça fait trépied. Alors c'est pas mal, par contre ce truc là coûte 30 balles et c'est juste de la merde niveau solidité. Il a déjà cassé alors que je l'ai simplement vissé sur mon support. Voilà, qui peut-être a forcé un peu dessus, j'en sais rien. Bref, c'est pas bien terrible. Si tu comptes t'acheter un truc comme ça, regarde sur Amazon. Il y en a des moins chers qui me paraissent vachement mieux. Et dessus, pour le début, comme il va faire nuit, j'ai cet éclairage. C'est le Litra Torch 2.0. Et ça crache. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien. J'ai pris des gants qui vont sans doute pas beaucoup servir. Hein, parce que comme on a vu, il fera pas très froid. Mais peut-être le matin au départ. Là, ce sont des gants de la marque Vergari. Leur particularité, c'est aussi d'être imperméable. Donc là, s'il pleut, ça va être cool. Je les ai essayés juste vite fait sous un robinet et vite fait en vélo. Ils sont plutôt confortables, ils ont l'air de tenir chaud juste ce qu'il faut. L'imperméabilité, elle a l'air impeccable. Et ce que j'apprécie beaucoup, là, c'est les embouts tactiles. Là, je les ai essayés. Donc les gants, ils font quand même une petite surépaisseur sur les doigts. Hein. Et bien avec ça, j'ai pu taper des SMS, mon gars. Je vais te dire, aucun souci, impeccable. 2-3 buffs, toujours utile. Donc pareil, il en faut au moins un, c'est obligatoire. Et ça sera bien pour se couvrir à la tête, hein, pour pas avoir froid aux oreilles le matin. Et puis aussi peut-être pour se couvrir à la gorge. Et du coup, bah, ça m'en laissera au moins un de rab. Voilà. J'en prendrai 2 ou 3, je sais pas encore. Il va faire pas très chaud, mais je pars avec ma tenue d'été. Mon petit short kinétique ras-les-boules et qui me garde tout ça au frais correctement. Accompagné de son t-shirt aussi tout léger, impeccable. Donc avec ça et la veste qui est ici, bah, j'espère que j'aurai suffisamment chaud au départ. Et puis si c'est pas le cas, et bah, je me gérerai le cul. Et puis ça sera comme ça. Hein. Et puis je fermerai bien ma gueule et puis j'avancerai. Et puis voilà. Faut vraiment que je dorme, putain. La veste. Veste de chez Gore. C'est la première fois que je teste un produit chez eux. C'est une veste normalement conçue pour le VTT. Mais c'est pas parce qu'elle est faite pour faire du VTT ou du vélo ou ce qu'on veut qu'elle ne pourra pas faire l'affaire pour courir. Après tout, ça reste un truc en extérieur où tu transpires, où faut que tu te protèges du vent et de la pluie, et tout ça, tout ça. Sur le peu que j'ai testé pour le moment en vélo ou à pied, elle a l'air franchement bien. Après, c'est pas la veste la plus compacte du monde, je dirais. C'est pas qu'elle prend beaucoup de place, mais tu peux pas, par exemple, la replier dans sa poche. Donc, bah, dans le sac, ce sera peut-être un peu plus volumineux. Mais non, elle a l'air bien, et puis encore une fois, bah, dans le sac, j'ai de la place. J'ai des lunettes de soleil, qui, comme tu peux le voir, là, sont avec des verres transparents. Donc ça, ce sont les Rudy Project Propulse. Je viens tout juste de les recevoir. Donc si jamais, je dis bien si jamais, il y a assez de soleil pour commencer à les tester sur l'hivernal des Templiers, eh bien, je pourrais commencer à les tester. Donc actuellement, vert transparent, parce qu'ils sont photochromiques, et quand il y a du soleil, eh bien, ça devient rouge. D'après ce qu'ils disent, les verres rouges, ça permet d'avoir de meilleurs contrastes au niveau du terrain. Ça, c'est un modèle spécialement conçu pour la course à pied. Apparemment, c'est vrai que c'est léger, ça a l'air de bien tenir sur la tête. Hein, tiens, d'ailleurs, tu me diras en commentaire si je suis beau gosse avec. Hein, et puis voilà. Couverture de survie, ça on l'avait vu déjà tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je t'en reparle parce que j'avais oublié, c'est pas grave. Je repars avec les Timp 1.5 de chez Altra, c'est pas forcément les meilleurs pour les terrains gras, mais c'est à peu près les seuls qui me restent en bon état actuellement, qui sont toujours équipés de lacets autobloquants, donc là c'est le Unchain, parce que ça m'évite d'avoir à faire les nœuds, je trouve ça plus confortable. Donc ça c'est la genouillère Epitact que je porte toujours à mon genou droit depuis maintenant quasi 2 ans, parce que j'ai la rotule qui apparemment accroche un petit peu tout ça, et ça me la tient en place sans être trop contraignant. Donc si tu me suis sur Instagram et que tu fais partie des nombreuses personnes qui me disent en voyant les photos « C'est quoi ta jambe bionique ? Comment ça se fait que tu as coupé ton collant d'un côté et pas de l'autre ? Pourquoi tu as de la compression complète d'un côté et pas de l'autre ?» Non, c'est juste la genouillère. Voilà, tu as un test sur le blog, ça t'intéresse. Et moi, je la mets maintenant en prévention. Prévention ? J'ai dit prévention ? Prévention, putain ! Voilà, en prévention, parce que bah, ça m'évite peut-être des blessures, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Les chaussettes, j'aurai des chaussettes, la chaussette de France, si je me trompe pas, c'est le modèle Appalache. Avant, j'en avais d'autres qui ressemblaient, qui étaient les Alberta, il me semble, qui étaient les mêmes, mais en taille basse, quoi. Donc voilà, c'est des chaussettes qui m'avaient satisfait, là j'ai ça... arrivé pour essai, donc je fais l'essai, on verra, mais je ne doute pas que ça ira bien. La ceinture porte dossard, et je crois que c'est le dernier truc qu'il me reste par terre au sol là. Donc la ceinture porte dossard, truc quand même pratique. Ouais, bon, la ceinture porte dossard, c'est sympa, c'est pratique, tout ce qu'on veut, mais c'est bon, tu connais, on s'en fout. Par contre, là, je m'incruste vite fait dans la vidéo parce que je suis en train de terminer le montage et je me suis rendu compte que je ne t'avais pas parlé d'une chose,
C'est ça, la Coros Vertix. C'est la montre que je teste en ce moment et du coup que je vais utiliser sur l'hivernal. Donc tu as la partie 1 du test qui est déjà dispo sur la chaîne. Là, je vais enfin l'essayer sur une course, sur quelque chose d'un peu long. Ces derniers temps, j'ai testé l'autonomie. J'ai passé 3 semaines sans avoir à la recharger une seule fois. Donc franchement, ça déboîte. Ces 3 semaines pendant lesquelles j'ai beaucoup couru, fait du vélo, enfin tout ça. Non, c'est une montre que j'aime de plus en plus et je vais essayer de te mettre la partie 2 du test prochainement. D'ailleurs, si tu veux que j'aborde un point avant les autres, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire parce que je sais pas si je vais réussir à tout faire en même temps dans la prochaine vidéo ou le prochain article, donc peut-être encore faire des thématiques. Bon allez, je te balance la fin de cette vidéo Vrakpak et puis voilà. Donc maintenant que j'ai fait le tour de ce matériel et que tu arrives à la fin de cette vidéo, peut-être en ce vendredi soir, eh bien sache que là je vais dormir parce que je vais me lever peut-être à 4h du mat pour prendre la route. Donc si jamais tu penses que je me suis planté, si tu penses que j'ai oublié des choses, si tu as des trucs à redire ou quoi, faut me le dire tout de suite, comme ça quand je me réveille je peux peut-être changer. Sans ça, n'hésite pas aussi à me dire si tu viens sur la course, peut-être qu'on pourra se retrouver, ça serait cool. Si tu as des questions, ça se passe également dans la partie commentaires. Et puis je t'invite à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne pour pouvoir ne pas manquer la vidéo de la course. Et pour ça, mets la petite cloche, comme ça tu vas être dans les premiers à savoir quand ça sort. Et j'ai des petites choses en tête, là j'ai des petites surprises que je suis en train de préparer. Donc ça serait dommage de les manquer. Voilà, allez, sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.